Bonjour, Marcel Igbing-Amissima. Je me trouve actuellement, comme je vous ai dit, au niveau du deuxième canton Bokwe, et plus précisément à Siat. Ici, c'est pour aller vers Siat, anciennement appelé Agro Gabon Projet Veya, donc Vegab. Ici, c'est pour sortir vers la nationale 1 en allant à droite vers Libreville et à gauche, on part vers l'Ambaréné. Je vous montre un village. Là, c'est Siat village. Ici, nous sommes chez le chef. On se rend compte qu'il y a beaucoup de vie ici. Il y a plein de maisons, là, qu'on peut regarder. Ça, c'est l'état de la route, hein. Donc, de là-bas jusqu'ici, c'est à peine 4 km. Ici, c'est les maisons, c'est les familles qui n'ont plus comme mode de vie que les feuilles parce que les éléphants ont envahi tous les champs et mangé toute la nourriture. Maintenant, la particularité de ce village, c'est que si on regarde sur tous les toits, il y a des antennes. Ouais. Ça, c'est des antennes qui sont là. Bon, ce sont des antennes télé. Il y a un câblage électrique là. Un câblage, tout est mis en place. Malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Alors, du côté de Siat, c'est éclairé. De Siat à ici, ça fait 1,5 km. Il n'y a pas d'électricité. Là, toutes ces familles-là et celles qui sont en amont là-bas n'ont toujours pas d'électricité. Maintenant, je vais vous passer 2 ou 3 personnes qui vont faire un petit commentaire et nous donner leur ressenti quant au fait qu'il n'y a pas d'électricité ici. Et puis, ils vont s'expliquer s'ils ont des doléances particulières. Monsieur, bonjour. Bon, mais ça s'appelle comment le village ici? Et puis, est-ce que vous avez des demandes particulières à faire, l'électricité haute? Est-ce que vous avez des choses à demander? Oui, il y a tellement de choses à demander, comme l'électricité, comme l'eau, parce qu'il y a que les deux choses là, la route. Et la route, comment on appelle, là où vous voyez, dans ce village-là, c'était un village agricole. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les Pachetènes nous font sortir d'ici, la majorité ne sont même plus d'ici, ils sont obligés de partir d'ici à cause des Pachetènes. Donc la priorité c'est d'abord le courant et l'eau, la route, parce qu'il y a comment on appelle les trucs principaux qui sont... D'accord. On a combien de kilomètres de la Nationale 1 ici? La Nationale 1? Oui. On a 4 kilomètres. De la nationale, 3,5 km, la nationale, oui. De la nationale. Est-ce que c'est éclairé par là-bas? Est-ce qu'ils ont l'électricité publique là-bas? Oui, même. Ah, d'accord. Attends, oui, bon, maintenant il manque quoi pour que l'électricité rentre ici? On ne connaît pas. Il n'y a que l'État. Il n'y a que l'État qui peut nous faire ça. Bon, là-bas c'est l'État. Oui. Si seulement c'est en connectant, oui. Là-bas, oui. Ça peut rentrer, c'est l'État. D'accord. Mais ici, là, on a. À l'époque, une société qu'on appelle d'abord Siat et Vega Ben Sleti. Mais depuis ce temps, on n'a jamais eu de jus de l'électricité par ici. L'électricité par ici. Par après, et il s'éclaire là-bas au camp. D'accord. Mais nous qui sommes ici, nous sommes stagnés, nous sommes foutus de dans la mer. Oui, oui. On a beaucoup fait de déclarations et que par après, on n'a jamais eu. Nos anciens chefs de village, comme nous sommes ici, ont allé. Moi, j'ai travaillé à l'Ambaréné, c'est comme ça que je venais, on faisait des cotisations ici, et par après, on n'a jamais eu de l'école. Donc, là, nous sommes là pour déclarer si c'est Siat ou bien ADG, c'est pas parce que j'ai ça que je bricole là-bas qu'on va me prendre comme émissaire. Mais j'ai dit, là c'est prêt, là-bas aussi c'est prêt. Mais pourquoi le problème là, le village là est bloqué à cause de lumière, et l'eau, et la route. Bon. Comment faites quand il y a des malades, par exemple? Des malades, on a rien, comme vous voyez. Il n'y a que les motos qui nous transportent. Si quelqu'un n'arrive plus à marcher, comment on appelle? S'il n'y a pas de moto, faites comment? Mais il la mort. Est-ce qu'il y a un dispensaire près d'ici ou un dispensaire? Il y en a, c'est toujours là-bas. C'est au chantier. 1,5 km. 1,5 km. 1,5 km. Mais est-ce qu'ils sont habilités à soigner le... Les gens du village, ils sont présents du village. Eux-mêmes, d'abord, il n'y a même pas. C'est juste le nom du dispensaire, mais il n'y a rien de beau là. D'accord. Donc là, nous sommes dépourvus de tout.
D'accord. Bon, est-ce que vous arrivez d'avoir un cas particulier, un blessé grave, un... Si, c'est il y a souvent. Il y a souvent. Et les morceaux de serpent, non? Les morsures, les personnes qui tombent en ces combes, quand tu es déjà étouffé d'une maladie, tu fais comme en marchant, tu tombes, non? Donc c'est comme ça que là, on est foutu ici. D'accord. Et pour les écoles? Les écoles, il y en a. C'est où? Il y a une école publique même. 1,5 km là? 1,5 km, c'est comme si on peut aller vérifier, pour bien vérifier, tant plus que la route est bonne actuellement là. D'accord. Ici, c'était dans l'OTAN, c'était à Gros Gabon, projet Eveya, en 90. Et là, toute la maison était très belle dans l'OTAN. Maintenant, c'est complètement délabré. Et puis ici, le courant, ça vient le matin. Ah bon, alors mais à 18h et à 6h, c'est parti. Donc ça veut dire que le matin, soir, il n'y a pas d'électricité par ici. Là, je vous amène voir l'école, puis on verra les conditions dans lesquelles les enfants apprennent ici. Ici, nous sommes à l'école des Végab. Là, c'est le site des Végab. Hein. Ici, c'est l'école. Là, c'est la direction. Il y a plein d'air par ici, là. Ici, c'est l'école des Végab. Et il n'y a pas d'électricité, sauf entre 18h et 6h du matin. Ici, l'éducation nationale a du travail par ici. Est-ce que c'est... On va voir si c'est ouvert. Non, si c'est pas ouvert. Ici, c'est l'éducation. Ici, je vous amène visiter le code Végab. C'est... Bon, là, c'est une école en terre cuite. Hein. Et... Voilà. Là, c'est... Je pense les toilettes par là. Ça c'est peut-être les toilettes qui sont par là. Là, c'est des jeunes qui sont là. Là, c'est l'école. Ici, là, je suppose, ça doit être le logement des médecins. Bon, des enseignants. Là, c'est peut-être la pompe, là. Une pompe hydraulique est là. Ici, c'est le stade de foot. Tout l'arrière, là, ce sont des éveillards. Ici, c'est les vacanciers qui s'amusent. Donc, je vous présente l'école des Végab. Les enfants, bonjour, ça va? Ah, d'accord. Ici, c'est l'école, hein? Ah, d'accord. L'école commence quand, ici? Ah, bon, hein? Ah, bon? Ah, c'est lundi que l'école commence, hein? Ah, là, vous ne connaissez pas. Voilà. Là, c'est mon petit soleil. Mais ici, ah, voilà. On va les lire ensemble. C'est le stade Alain Mbélé à Sékou, Siat Gabon. Ah, attendez, on filme un peu. On va se rapprocher. Voilà, c'est le stade à Alain Mbélé à Sékou, Siat Kango. Et